Alors aujourd'hui, on se retrouve pour tester ces produits de ma rotation du mois de juin. Donc il y a la palette de Glam Light, la Strawberry Shortcake, autrement dit en français Charlotte aux fraises, et les deux produits Pat McGrath de ma rotation, le blush Aphrodite Amour et le bronzer Nudoni. Alors je vous montre le blush, parce que bon, le bronzer ça reste un bronzer, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, c'est ce blush là. Et ensuite j'ai quelques autres petits produits, certains qui sont de ma rotation comme l'highlighter et sinon des produits que j'ai un petit peu l'habitude d'utiliser. Donc je vais vous montrer tout ça, on va réaliser ce make-up ensemble et on va blablater comme d'hab. Donc je vous laisse avec le make-up. Alors on est parti pour ce maquillage avec cette petite palette. Alors qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis comme toujours mon fond de teint DWTN Paris avec le AOA. Est-ce que, comme je suis en rouge, j'ai l'impression que la luminosité change un peu. Donc je vais baisser un petit peu parce que là il y a pas mal de luminosité parce qu'on est en été. Ouais, je pense que c'est un petit peu mieux comme ça, je le fais un petit peu moins jaune. Mon teint est un peu plus naturel. Donc j'ai mis les scotchs, je mettrai mon anti-cerne après du coup quand j'enlèverai les scotchs. Ma base à paupières, on va partir sur la P. Louise. J'ai pris la glitter glue au cas où. Donc j'ai filmé hier ma vidéo sur ma rotation. Elle sera en ligne mercredi. Donc je pense que cette vidéo make-up je la mettrai pour samedi. Bon, pas grand chose de neuf, en ce moment c'est un peu calme. On va avoir bientôt la kermesse des enfants, c'est la période. Donc là, pour la fête des mères, j'ai eu un tote bag avec marqué maman, un cœur et puis la main du petit. Et pour ma fille, j'ai eu juste sa main dans un cadre. Vu qu'ils sont dans la même classe, je pense que la maîtresse devait être un peu embêtée puisque j'aurais eu sinon la même chose en double de tote bag. Donc je pense que du coup j'ai eu une variante de la part de ma fille. Donc j'ai mis tout ça au niveau de mon coin make-up. Donc dans la chambre. Parce que donc je me maquille le matin dans ma chambre où j'ai tous mes produits. Et quand je filme dans la chambre d'amis. Parce qu'en fait c'est une pièce où il y a plus de luminosité. Et où c'est un peu plus tranquille. On entend moins le reste. C'est un peu excentré par rapport au reste de la maison, donc on entend beaucoup moins quand il y a mes enfants qui courent partout, qui jouent partout. Je lui ai promis qu'on allait jouer à la Wii après. Donc on verra. Ah, j'ai oublié mon gel à sourcils. Bon, mais tant pis, on fera sans. J'en mettrai après, mais bon, de toute façon, en général, j'en mets pas. Enfin, en général, sauf quand j'en reçois, mais sinon j'en porte pas. Hop, donc là j'ai juste coiffé un petit peu mes sourcils avec le goupillon. Et voilà pour ça. Alors, cette palette de Glam Light, elle est très rose. Donc bon, là ça va, je suis bien en rose. Alors les fards, ils ont des numéros. Ah, j'arrive pas à décoller le plastique. Voilà, les fards, ils s'appellent 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Enfin, comme ça au moins. C'est facile. Alors il n'y a pas de vraiment fard assez pâle pour faire le. Bah, du coup, le dessous de sourcil. Donc j'ai pris mon fard brûlé. Je prends un gros pinceau. Donc ça, c'est un Jessup Mule 09. Donc ils sont des dupes de pinceaux morphes. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai mis sur mes lèvres avant de commencer à tourner le Lip Injection Extreme de Too Faced. Donc ça m'arrive des fois, j'en mets un petit peu juste avant de me maquiller, je le laisse agir. Ça donne un peu un effet, ça fait gonfler les lèvres en fait, ça picote un petit peu et ça fait gonfler les lèvres. Alors je trouve, au début j'avais un peu de mal à le supporter, maintenant ça va mieux. Alors est-ce qu'il est un petit peu moins efficace parce que ça fait un petit moment qu'il est ouvert? C'est possible. Ensuite je vais commencer avec le fard 2, celui-ci, et je vais vraiment y aller doucement parce que vu la couleur,
Alors clairement, je ne sens pas de mélanger le rose et le vert dans ce make-up. Peut-être que j'essaierai, mais là, j'ai peur que ça rende pas trop trop bien en fait, en termes de mélange. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, j'ai vu qu'il y avait une promo sur Sephora. J'ai hésité à prendre la Yuka, la dernière Natasha Denona. Et franchement, j'ai regardé, j'ai recomparé avec des anciennes palettes. Je prends un pinceau plus petit pour continuer. J'ai comparé avec d'anciennes palettes et j'ai déjà ces couleurs en fait dans ma collection. Et le vert, c'est pas vraiment ma couleur. Enfin, c'est pas une couleur que je trouve sympa sur mes yeux. Faudrait que je teste avec. Je me suis acheté des lentilles de couleur. Bon, qui corrigent pas parce que. Voilà quoi. Mais juste pour avoir pour voir un peu qu'est-ce que ça donne avec certains fards de ma collection avec des fards avec des yeux de différentes couleurs. Ça faisait longtemps que je voulais tester et la dernière fois quand j'ai commandé mes lentilles de renouvellement, je me suis dit bah tiens, si on faisait ça, si on prenait des lentilles colorées. Donc j'ai pris des lentilles ambre, je crois, et lavande. Voilà. Donc pour revenir à nos moutons, la Yuka. Donc non, je ne l'ai pas commandé déjà parce que la prendre avec juste moins 10% pour une palette à 73 euros, non merci, ça pique. Ça fait 7 balles de réduction, ça fait une palette qu'on paye 65 euros. Pour au final des couleurs que j'ai dans d'autres palettes, alors dans d'autres palettes Natasha Denona, je trouve qu'il y a des couleurs proches dans la Gold et dans la Metropolis. Ensuite, des couleurs vert comme ça, il y en a pas mal dans la Antidote. Donc au final, je pense que les make-up qui seront réalisés avec cette palette, je pourrais très bien les refaire avec des palettes de ma collection. Donc pour l'instant, c'est pas quelque chose que je prendrais. Voilà, sauf si vraiment il y a une promo hyper intéressante, mais et puis qu'il y a des avis qui sont plutôt positifs, parce que bon, les quelques avis que j'ai vus, oui, c'est une bonne palette, mais bon, ça reste voilà, sans plus quoi. Enfin, c'est du Natasha Denona, on retrouve la qualité de Nonona. Voilà, avec bon des fards qui vont peut-être pas aller à tous les teints, enfin l'olive, le jaune, vert, enfin le vert un peu jaune là et un vert qui tend un peu vers le jaune. Tout ça c'est ça va pas forcément à tout le monde, ça va pas forcément à tous les types d'œil, enfin toutes les couleurs d'iris plus exactement. Je pense que ça doit bien aller sur tout ce qui est les yeux marrons. Mais déjà les yeux verts, même si on peut se maquiller en vert, ça m'arrive de me maquiller en vert avec les yeux verts. Mais franchement, je trouve que c'est pas. Ça met pas vraiment du tout en valeur les yeux, quoi. Quand je me maquille, c'est aussi pour mettre en valeur mes yeux, donc. Voilà, c'est patchy, je trouve le plus rose. De ce côté, ça va, mais de l'autre côté, c'est pas tip-top. On a enlevé un peu de couleur. Ah, je vais aller piocher l'autre là. Voir est-ce que ça. Non, c'est vraiment. Enfin. C'est quand même dommage. Ils auraient pu mettre une couleur un peu différente. Parce que là, je trouve que les deux sont quand même très proches. J'ai pris le fard 5 et le fard 15. Et honnêtement, je vois pas la différence. Je vais prendre mon pinceau de tout à l'heure et je vais aller un peu blender tout ça sur les bords. Ce côté-là. Parce que ce côté-là, c'est là où j'ai moins bien réussi. Mon make-up, je trouve que c'est pas beau. Alors moi j'ai les paupières tombantes donc forcément ça cache un peu. Ça cache un peu quand ça va pas. Peut-être qu'il faudrait que je zoome un peu. Donc je me rapproche un petit peu. Voilà, je vais me rapprocher en essayant de rester cadré. Là ce que ça donne. Est-ce que je tape dans le rouge? Allez, soyons fous, je vais essayer de taper dans le rouge. Pour en mettre un peu par là, c'est plutôt pas trop trop mal. Enfin, cette couleur, hein, mon make-up, je suis pas vraiment satisfaite. Alors, clairement, je pense que c'est une palette que j'utiliserai plutôt le week-end parce que il faut pouvoir avoir un peu le temps de blender beaucoup les fards. Ah, oui, ce que j'avais vu aussi comme revue. Concernant la Yuka palette, donc c'était Jane Phelps, je crois, la youtubeuse. J'essaierai de vous mettre sa revue par là, si vous voulez aller voir. Et dans les inconvénients qu'elle disait, c'est que c'était
elle prenait un peu de temps à travailler, ça lui demandait un peu plus de temps à travailler, et donc comme elle a des gosses et qu'elle n'a pas beaucoup de temps le matin pour se maquiller, elle disait que la palette Yuka, c'était pas forcément. Ça demandait quand même un petit peu de travail de d'estompage. Et donc c'était pas forcément recommandé si on était pressé le matin. Donc bon, quand j'ai vu ça, ça m'a aussi un peu refroidi. Parce que j'avoue que j'aime bien avoir des palettes qui sont qui permettent de se maquiller rapidement. Parce que bon, c'est pas tout ça, mais le matin, plus je me maquille vite. De toute façon, quand je veux aller vraiment vite, je prends je prends des fards crème, un mat et je rajoute un lumineux. Et basta. Voilà pour ça. Maintenant, j'ai envie d'utiliser ce fard-là, ce duochrome. C'est le fard numéro 3. C'est pas tout à fait symétrique, à peu près. Voilà. Vous voyez, j'ai fait un côté un centre un peu plus rose avec ce rouge-là, le fard 12. Est-ce que je mets celui-ci et le. Ouais, j'ai essayé de faire ça comme ça, je testerai un fard de plus. Je vais mettre le 13 et par-dessus, je mettrai le 3. Hop, un pinceau plat. Pas très pratique à prélever au pinceau. Je vais essayer de le prélever à l'embout mousse. Ah, voilà, c'est un peu mieux. Ah oui, ce qu'elle disait aussi là, cette youtubeuse, c'est que la palette faisait beaucoup de chutes de paillettes. C'était pas la même formule en fait que ces paillettes habituelles. Donc voilà, la Yuka, c'est pas forcément une palette sur laquelle je vais craquer. Mais par contre, je me dis, j'aimerais bien à savoir, j'ai peut-être craqué sur la Cosmos, la dernière Anastasia. Les couleurs me parlent plus en fait, en termes de color story et tout. Donc j'aurais plus tendance à craquer sur celle-ci que sur la Yuka. Après, là, la dernière que j'ai prise chez Natacha Denona, j'ai pas pris la Rétro Glam. La Glam Rétro, enfin celle qui ressemblait un peu à la Vénus XL en termes d'harmonie. Avec du vert et du vert et du. Ah, je vais y arriver. Du vert et du rose. Ben, un peu comme celle-ci. Mais en plus soft. oui, pourquoi j'ai pas craqué? Parce que je suis un peu en train de revenir sur sur les grandes. Je préfère à la limite craquer pour une marque indépendante que pour que ces marques-là, on va dire. Parce que au final, si on regarde, les harmonies sont toujours un peu les mêmes et j'ai pas mal de palettes de la marque, donc et puis moi j'avais bien aimé la version rétro qu'elle avait sortie, donc j'avais pas forcément besoin de prendre une autre version. Est-ce que je peux le prélever au pinceau plat celui-là? Alors c'est bizarre parce que normalement c'est un fard qui avait l'air un peu duochrome, mais j'ai peur que ce soit que. Je sais pas si c'est juste sur le dessus ou si c'est aussi à l'intérieur. Parce que là je l'ai gratté et j'ai l'impression qu'il a un petit peu moins il a un petit peu moins cet effet. Voilà, je vous montre. Voilà, hop, vous voyez? Et en fait, quand je regarde là, l'œil où j'avais pas mal. J'ai un œil qui est quand même beaucoup plus. Bon, je sais pas si vous verrez. Mais cet œil-là où il y avait les trucs, les pigments un peu duochrome, j'en ai plus là que ce côté-là. Si après c'est un simple rose, c'est quand même un peu dommage. Ouais, quand même. J'ai l'impression que j'ai moins de pigments de ce côté-là que de ce côté-là. Donc voilà pour le rendu. En coin interne, est-ce que je mettrais pas une touche de vert en coin interne? Ça peut être sympa, mais je vais attendre. Ah, ou celui-là? Il est quelle couleur en fait celui-là? Non, je pense que je vais mettre une touche de vert. Je pense que je vais peut-être mettre ce vert-là en coin interne, mais je le ferai quand j'aurai fait mon dessous d'œil. Qu'est-ce que je. Bah là, je vais décoller mes scotch. Ou est-ce que je mets un coup de liner? Oui, ça fait longtemps que j'en ai pas mis. Je vais mettre un petit coup de liner. Ça me permettra de vérifier que je l'aime toujours pas.
Alors, je l'essuie parce qu'il n'est pas... Voilà, le pinceau est comme ceci. C'est un pinceau dur, je suis pas fan. Voilà. Et là, je profite de mon scotch. Aïe. Heureusement que j'ai le scotch. Je suis partie un petit peu. Voilà. De toute façon, quand on va enlever le scotch, je pense que ce sera mieux. Voilà, je replonge mon liner. Enfin, franchement, je vous le conseille pas, ce liner de chez Bourreau. Enfin, après, ça dépend ce que vous aimez comme pointe, mais moi, j'aime plus les pointes soit style mousse, soit poil, comme le Tattoo Liner de Kat Von D. Voilà, alors j'ai mieux réussi de mon autre côté. Bon, on verra bien ce que ça va donner. Maintenant, je vais essayer de les enlever sans baver partout. Pas mal, pas mal, pas mal. C'est vraiment pratique, ces petits scotch. Donc du coup, mon liner est pas si mal que ça. Voilà ce que ça donne en termes de make-up. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Alors je pense qu'à la caméra, on voit pas toutes les nuances de rose. Vous avez bien entendu la façon dont je dis rose. Mon petit accent du sud-ouest, ça faisait... J'avais une copine qui était originaire de Savoie et ça la faisait marrer la façon dont je disais rose et jaune. Donc me voilà rose. Ah, je vous ai pas montré, je vais pas montrer mon t-shirt. C'est le t-shirt de l'avocat. Je sais pas si vous connaissez, c'est la chaîne Chronique Fiction. Vous voulez faire le mal, faites le bien. Donc en fait, Chronique Fiction, je vous mettrai la chaîne par là. C'est une chaîne qui... alors au départ, ils avaient un personnage qui s'appelait le coroner et qui expliquait les morts célèbres du cinéma. Donc j'avais vraiment aimé, et ensuite ils ont sorti un deuxième personnage, l'avocat dont je porte le t-shirt. Je préfère le coroner mais j'aime bien aussi l'avocat, qui lui en fait défend les méchants en fait du cinéma, il explique les motivations, tout ça. Et du coup ils avaient lancé sur Ulule là un système de crowdfunding. Pour lancer un nouveau personnage qui s'appelle le prédicateur, et ça faisait partie des contributions donc j'avais contribué, donc j'ai un t-shirt de l'avocat et un du coroner, et je trouve ça sympa. Bon là comme je suis en mode dimanche un peu glandouille, j'ai mis ce t-shirt là. Hop. Oh bah tiens, je vais mettre le rouge en rat-de-cils. C'est pas forcément le plus heureux de mettre du rouge en rat-de-cils, en fait je devrais peut-être pas. Tout simplement parce que c'est vrai que souvent le rouge ça donne un air un peu fatigué, donc je me dis que je vais peut-être rester comme ça et pas et mettre plutôt un crayon style mon crayon une en muqueuse, parce que c'est vrai que le rose en ras de cils souvent ça donne un air un peu fatigué. Donc ouais, je vais faire ça, je vais mettre mon anti-cerne parce que j'ai pas mis d'anti-cerne, j'ai juste mis mon fond de teint, donc je vais mettre un petit peu d'anti-cerne et je vais pas aller taper sur du rose en ras de cils. Mais je vais plutôt mettre mon crayon une et une touche de vert. Ou alors je fais mon ras de cils vert. Ça peut être une idée. Je n'ai pas encore décidé. Après en vert, il y a rouge et vert pomme. Ça risque de faire un peu bizarre. Je sais pas encore. On verra. Ah, sinon, au boulot, on a fait un petit déj là. Deux fois par an, on fait ça. C'est un peu pour que tout le monde... Pour que les différents employés se rencontrent et tout. On fait un petit déj. Et là le thème, vu qu'on c'était sur la biologie moléculaire, on avait fait des bubble tea, on avait commandé des bubble tea. Donc on avait fait avec du thé glacé, c'était super sympa, j'ai adoré. Je savais pas qu'on pouvait faire, qu'on pouvait commander en fait ces boules à bubble tea et se faire son propre bubble tea, et franchement c'est trop cool. J'ai commandé ça sur My Bubble Tea, je crois que ça s'appelle le site. Enfin c'est pas moi qui l'ai commandé, hein, mais si vous voulez aller voir sur le site, je trouvais ça sympa. Donc je viens mettre mon crayon une en muqueuse, je vais pas m'embêter avec celui-là qui est trop petit, je vais prendre mon miroir classique, j'y pense parce que j'ai parlé de pomme et il y avait un goût pomme au niveau des bubble tea, c'est celui qui a le moins de succès. Alors est-ce que je tente un petit peu de vert? J'en ai vraiment mis un tout petit peu. J'ai nettoyé mon pinceau avec... Ça fait bizarre, mais c'est pas... C'est pas si pire que ce que je pensais.
Et donc, ouais, le bubble tea, c'était vraiment sympa. On avait pris perles de fruits. La semaine qui arrive, j'ai une semaine de fou. En plus, j'ai un truc à rendre pour le 9. Je suis en congé le 9, donc ça veut dire qu'il va falloir que je le rende le 8. Et j'ai des réunions tous les jours. Donc, je ne sais pas comment je vais avancer sur ce dossier. Sinon, tant pis, je bosserai pendant. Soit je ferai des heures sup, mais ça m'embête parce que je rentre à pas d'heure. Soit je bosserai un peu mon jour de congé. Je ne sais pas encore. À moins que j'arrive à trouver une solution. Allez, là je mets le phare 6-7. Comme j'avais dit, en coin interne. Voilà. En fait, ça se marie pas si mal, hein. Et voilà le make-up. J'ai utilisé un. J'ai utilisé pas mal de fards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, j'ai utilisé 7 fards déjà pour ce make-up. Donc j'ai utilisé le fard 2, le 3, le 5 et le 15, qui sont identiques en fait, hein. Il n'y a pas de différence en fait. C'est vrai que c'est dommage, ils auraient pu mettre à la place d'un de ces fards-là un fard encore plus clair que celui-là. Là, je pense qu'il y aurait eu une bonne différence parce que déjà le 14 et le 15, voilà, je vous montre, 14 et le 15, ils sont assez proches. Donc là, ils auraient mis un fard rose clair, enfin voilà, plus clair que celui-ci. Ça aurait été pas mal, je pense, pour mettre justement sous le sourcil. Ou un vert plus clair que celui-là, je sais pas. Hop, après, cette palette, elle m'a coûté 30 euros, je crois, quelque chose comme ça, sur Monolith. Voilà, alors au niveau mascara, je suis toujours avec mon Sexy Pulp de Yves Rocher, qui est bien, 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 qui arrive en fin de vie là, donc c'est pour ça que je l'utilise encore un peu. Il colore, mais on sent que le produit vieillit, donc je pense que lui, à la fin de ma rotation de juin, il ira en produit terminé. Peut-être même avant si vraiment il me saoule trop. Mais là, c'est vrai que sur ce mois-ci, je pense que je vais essayer d'utiliser en priorité celui-là. Pour l'utiliser au maximum. Hop, et pas avoir de regrets quand je le jetterai. C'est vrai que les mascaras, bon, j'essaie de respecter les 6 mois. Mais ils sèchent pas très vite en fait. J'ai pas de problème en fait de séchage de mascara. Alors, soit j'ai une bonne tolérance au mascara un peu sec. Ou je préfère peut-être le rendu aussi des mascaras un peu plus sec que quand ils font. Ouais, ça c'est mon Better Than Sex que j'ai ouvert une quinzaine de jours après le Sexy Pulp. Donc je pense que si je jette là, je jetterai l'autre aussi. Hop, celui-là il va en fait m'apporter de l'épaisseur quand l'autre m'apportait plus de la couleur. Voilà, là j'ai pas recourbé. Mais de toute façon, moi j'ai des cils tout riquiqui. Et encore là, je trouve qu'en ce moment, ils sont pas si mal que ça. Un peu moins riquiqui. Alors j'ai essayé de mettre de l'huile de ricin, mais je m'y tiens pas. Là, j'ai un sérum pour les cils que j'avais eu dans une Beautiful Box. Mais je m'y tiens pas et ça pique les yeux. Donc. Bon après oui c'est vrai qu'ils sont un peu secs. Faut être réaliste, ils sont quand même un peu secs. Alors c'est vrai que des fois j'y mets du Duraline pour les faire tenir un peu plus longtemps, donc je pense que ça doit jouer aussi. Là j'en ai pas mis dans ceux-là. Voilà. Voilà. Franchement, je suis contente de cette palette. J'aime bien. J'aime bien en fait ce vert et ce rose, ça se marie pas si mal. Je vous ai dit qu'on avait eu notre première fraise des bois, si, oui, je crois que je vous l'avais dit. C'est mon fils qui l'a mangée, on en a une deuxième qui est verte. Donc on verra si elle sort. Ensuite, ben, on va passer à la poudre. Et je crois que j'ai pris une petite houppette pour venir poudrer le dessous d'œil. Allez. Donc c'est ma loupette, j'allais dire. Ma houppette Linda Alberg. Que j'avais achetée, je crois, en promo sur Beautybay. Elle m'avait coûté une dizaine d'euros. Depuis, j'en ai racheté quelques-unes chez Shein. Bon, c'est pas mon site préféré, mais honnêtement, pour ça, c'est des produits qui me sont revenus pas très très chers.
Voilà, et pour le reste du teint, je poudre avec mon gros pinceau, donc c'est un Jessup Multi-Roi. Celui-là, je l'aime beaucoup, j'adore ces gros pinceaux comme ça. J'avais toujours flashé sur le make-up Forever, mais je crois qu'il coûte 63 €, donc honnêtement, 63 € pour un pinceau, j'ai un peu de mal. Donc... je pense que si je retrouve celui-ci ou si j'ai l'occasion de repasser une commande peut-être sur AliExpress, parce que ils y sont sur, je crois que je les avais commandés sur AliExpress, ou si je le trouve en promo sur Maki Beauty, parce que des fois ils font des promos sur Maki Beauty, je m'en reprendrai un, parce que je crois qu'il coûte seul, il coûte dans les 10 ou 15 €. Il est vraiment sympa. Et voilà. Donc, nous allons passer au produit teint. Avec. Bon, j'ai pris les deux de la marque. Je me suis dit, tant qu'à faire, restons chez Pat McGrath. Donc, j'ai pris mon blush Aphrodite Amour et mon bronzer Nudioni. Donc, des produits de ma rotation que vous n'avez pas encore vu en action. Mon pinceau, c'est en quoi celui-là? Je crois que c'est un. C'est un Colourpop celui-là. Alors voilà comment le blush se présente, il est bicolore. Hop, j'en prélève et je viens tapoter. C'est pas le plus foncé de... Je crois que j'en ai deux, j'en ai un autre qui est un peu plus... Je crois que c'est le Venusian Sunrise ou un truc comme ça que j'ai d'autres. Je ne sais plus. Il est très modulable. Hop, là je commence à vraiment bien voir la pigmentation. Ouais, très très bien. Alors, est-ce que j'ai commandé d'autres choses depuis que... Ah oui, j'ai fait une commande sur beauté privée. Mais j'ai pas commandé les produits de beauté, justement. Il y avait une... Il y avait du CBD en promo, là. Et comme j'avais fini mon huile pour la nuit, en fait, c'est vrai que ça m'aide à dormir. Je suis souvent stressée le soir, les pensées qui bouillonnent, et donc là soit j'utilise les trucs pour abaisser le cortisol, donc c'est-à-dire l'hormone du stress, soit je prends ça et c'est vrai que ça m'aide à dormir. Donc là je me suis dit, bah tiens, vu qu'il n'y en a plus et que en reprendre chez Kaya, c'était le 30 ml, c'est 120 € quoi, ou pas loin, j'ai dit ça fait un petit peu cher hein. Donc là il y avait une promo, ils étaient à 27 €, donc j'ai pris une huile. J'ai pris des gummies aussi. Voilà. Donc voilà le bronzer, comment il est. Et mon pinceau, c'est un Jessup aussi. En ce moment, j'utilise pas mal les Jessup, tout simplement parce que je commence à plus avoir beaucoup de place dans mon meuble où je range mes pinceaux. Donc je les pose, une fois qu'ils sont secs, directement dans mon pot à pinceaux. Donc forcément, j'ai plus tendance à prendre cela. Il faudra que je fasse une rotation en fait. Faire une rotation de pinceaux. Quand je les lave, en sortir d'autres. Bon, après je me dis, au pire, si tu les finis et que tu les jettes, j'en ai d'autres. Mais ouais, je les aime bien. Franchement, je suis assez fan des pinceaux. De ces pinceaux-là, là, les nouvelles collections de Jessup que j'ai commandées. J'ai vraiment bien aimé leurs pinceaux. Voilà, donc aujourd'hui c'était la fête des mères. Donc on a mangé avec ma belle-mère. On a mangé les restes. Non, j'avais fait un rôti, mais on avait des restes parce que samedi on a fêté l'anniversaire de mon homme. Du coup, on avait fait pas mal de choses, mais on était plutôt bien parce qu'on n'a pas eu beaucoup de restes. Mais bon, voilà, il restait du taboulé, de la salade. Donc on a mangé ça avec un rôti. Voilà, j'ai pas non plus fait passer beaucoup de temps au fourneau. Et en dessert, c'était... Bon, on a pris un gâteau à la boulangerie du coin. C'est très bon. Une mousse aux fraises, justement. C'est dans le thème. On est dans les fraises, charlotte aux fraises. Et ce soir, je vais faire des fraises fraises. Les enfants adorent ça. Je préfère qu'ils mangent des fraises plutôt que des gâteaux ou des bonbons. Ou même des yaourts. Même des yaourts aux fruits, des fois c'est un peu sucré quand même. Là, ça fait un moment que j'ai plus refait de yaourts. Parce qu'ils les boudent. Et du coup, il n'y a que moi qui en mange.
le midi. Et quand au-delà de 7 jours, il commence à. Ça arrive que ça commence à moins, enfin, avoir des moisissures. Donc bon. Pour le blush, pour le highlighter, pardon, c'est le Kiko. J'avais pas d'autres. Ouais, j'ai repris celui-là. Voilà. Vous saurez toute ma life en fait. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui! J'ai ressorti une antiquité. Kat Von D. Maintenant ça s'appelle KVD. Donc ça date de quand c'était encore Kat Von D. Et la couleur c'est Mother, je crois. C'est dans le thème. Aujourd'hui c'est la fête des mères. Donc Mother, ça paraît être le bon choix. Et j'ai même pas fait exprès en fait. Je l'ai pris. Et là, c'est en vous montrant que je me dis, mais c'est vrai qu'il s'appelle Mother celui-là. Voilà. Donc, j'ai quasiment terminé mon make-up. Ma brume, pour finir, ouais, non, je crois qu'il manquait que ça. Toujours la Kiko. Elle commence un peu, je sais pas si vous verrez, mais j'ai l'impression qu'elle fuit un peu. Parce que quand j'appuie, il y a toujours un peu de liquide autour. Et donc voilà le make-up, le rendu. Bon, mes cheveux, regardez pas mes cheveux, faites pas attention, je les ai pas lavés ce matin, je les lave demain matin. Je les avais quand? Je crois que je les avais vendredi matin. Et donc on est dimanche, donc en général le troisième jour, c'est des fois j'hésite. J'aime bien attendre un peu, tant pis s'ils finissent par régresser, mais bon. Ouais. On est dimanche, donc je me suis dit que c'était pas trop grave. Je veux pas non plus les laver trop souvent parce que tous les 2 jours je trouve que ça décape vachement le cuir chevelu et du coup c'est qu'il régresse, il regresse encore plus vite. Donc bon, sur ces préoccupations capillaires, nous allons parler maintenant du bilan des produits. Donc qu'est-ce que j'en pense? Alors celui-là je vous en ai déjà parlé, je trouve qu'il est bien, voilà, il est toujours aussi bien. J'aime vraiment bien la couleur de ce produit, je ne peux que vous le conseiller. De préférence si vous arrivez à le choper en promo. Celui-là, je l'aime bien. C'est vrai que après, il faut le supporter. Franchement, ça va de plus en plus. J'ai l'impression que plus je le mets, mieux je le supporte. Mais il est quand même un petit peu difficile à supporter. Après, je sais pas combien. Ils disent à 12 mois, donc c'est bon. Ça fait pas si longtemps que je l'ai ouvert. Donc je pense que je vais l'utiliser un peu plus aussi. J'aimerais bien le finir. C'est un format miniature en plus, je crois. J'arrive pas à voir la taille. Ah si. 2,8 grammes, ouais. Donc ça c'est un format miniature. Ça franchement j'aime bien, ça pulpe bien les lèvres. Ça permet, bon bah voilà, d'avoir les lèvres un petit peu plus gourmandes, on va dire. Ce qui est dans le thème avec la charlotte aux fraises. Alors, maintenant les produits les nouveaux produits de ma rotation. Donc ces deux-là. Ces trois-là, pardon. Donc la charlotte aux fraises, bah, agréablement surprise. C'est vrai que les fards Glam Light sont en général de bonne qualité. Bon. Ce qui est un peu dommage, c'est que ça reste quand même une palette qui coûte dans les 35 euros. Et c'est dommage la répétition des deux fards là, le 5 et le 15, qui sont vraiment très très similaires. Alors là, on voit peut-être une petite différence, mais c'est vraiment très léger. De même, il ressemble quand même un petit peu à celui-ci. Donc je trouve que trois fards dans une palette de 15 qui sont assez proches, c'est un petit peu dommage. Un rose clair aurait été le bienvenu. Ou une couleur chair, on va dire. Enfin bon, couleur chair, c'est un petit peu difficile en fonction de la carnation de la personne. Donc un rose plus pâle, genre comme ce rose-là, en fait, aurait été pas mal dans cette palette. Ça aurait été un plus, je pense. Sinon, à part ça, elle est bien. Je reste à tester les autres fards. Ces deux produits, je les ai déjà utilisés. C'est la deuxième fois, je pense, que je les utilise chacun. Donc pour l'instant, je suis plutôt contente de ces produits. Bon, en même temps, vu le prix, ça a intérêt à matcher, enfin à marcher. Et à matcher aussi avec mon teint. Donc là, c'est vrai que sur les blushs Pat McGrath, ils sont en général assez pigmentés. Donc j'essaie toujours de prendre des teintes pas trop, pas les plus foncées parce que c'est compliqué à estomper. Je sais, j'ai une palette, un trio avec un highlighter, je crois, c'était celui de la collection de Noël d'il y a pas l'année dernière, celle d'avant. Et il y a quand même une des deux qui est quand même assez pigmentée, donc il faut avoir la main légère. Celui-là, ça va. Il a la bonne couleur, il donne bonne mine. Il a un côté aussi un peu brillant, puisque vu que c'est un duo blush,
On retrouve en fait sur ce côté-là. Ce côté-là, c'est un peu plus satiné et donc ça apporte un peu de. C'est pas vraiment un highlight parce qu'on n'est pas, on n'arrive pas jusqu'au niveau de l'highlight, mais ça donne un côté un peu satiné. Et enfin, le bronzer, bah, il est très bien, franchement. Je suis pas du tout déçue du bronzer, heureusement, vu le prix qu'il coûte. J'ai tendance à dire ça, surtout qu'en plus, bon, il y a quand même 9,5 grammes de produit, ce qui est pas trop trop mal pour un bronzer. Et je crois qu'il revenait à 35 euros ou un truc comme ça. Donc ça reste un prix somme toute correct, puisque si on va sur les marques de luxe, on est souvent au-dessus, voire de 40 euros pour les bronzers. Donc là, je trouve que le prix était correct. Voilà, celui-là, c'est pas la première fois non plus que j'utilise. C'est pareil, je l'ai ressorti pour essayer de le terminer parce que c'est un petit format. J'en ai plusieurs encore de ces produits là, mais que j'ai pas encore ouvert parce que j'ai trop de rouge à lèvres. Donc, mais celui-là, je l'aime bien. En plus, je trouve que la teinte va bien avec le maquillage. Donc, bah, ça va. J'ai bien fait mon choix quand je l'ai pris. J'ai hésité. J'ai dit bon, lequel je prends. Puis j'ai vu celui-là, j'ai dit oh bah tiens, il est rose, la palette est rose, ça devrait le faire. Et c'était une bonne idée. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez testé cette palette, ce que vous en avez pensé, si vous avez aussi testé les couleurs vertes. Pour l'instant, j'ai pas, à part le ratine, je suis pas trop allée encore sur les verts. Donc voilà, je pense que j'irai peut-être piocher un vert clair de la pastel de Beauty Bay pour aller se marier avec celle-là, ça peut être pas mal. On verra ça quand, bah, quand j'utiliserai le vert. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!